9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Marius chez vous. Merci beaucoup de prendre rendez-vous dans ce moment de confinement pour certains, ce moment où nous sommes souvent à la maison à 7h pour suivre cette émission Marius chez vous. Beaucoup de courage à tous les téléspectateurs de Marius chez vous qui en ce moment sont contraints de rester à la maison. Nous sommes tous contraints à respecter donc ces règles qui sont mises en place par nos services de santé pour lutter ensemble contre cette pandémie de coronavirus. Et nous espérons qu'à travers cette émission, vous allez essayer de vous faire plaisir en suivant et peut-être en participant à travers le sujet que nous allons vous proposer aujourd'hui dans cette émission Marius chez vous, où que vous soyez à travers le monde. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et vous remercions énormément de prendre ce rendez-vous. Depuis un temps, vous savez, nous essayons d'en parler de plus en plus, le coronavirus, vu de la République démocratique du Congo, ce que nous, diaspora, pourrions faire et comment est-ce que vous pouvez vous exprimer sur toutes les mesures qui sont prises en place par le gouvernement en République démocratique du Congo pour répondre à cette pandémie. Ce flou autour de la gestion de la pandémie, justement, nous y reviendrons, Docteur Muyembe, du ministre de la Santé ou du Premier ministre, pilote donc ce programme de lutte contre le coronavirus. Nous reviendrons tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Ebola et ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer s'il y a ce flou sur la gestion de cette pandémie en République démocratique du Congo? Hier, dans le Haut-Katanga, nous vous en avons parlé hier dans notre émission. C'était une nouvelle qui venait de tomber où la province du Haut-Katanga, le gouverneur de la province du Haut-Katanga avait donc décrété 48 heures de confinement. Comment ce confinement a été suivi aujourd'hui à Lubumbashi? Thierry Kambundi sera bien sûr avec nous, comme toujours, en direct de Kinshasa, pour essayer de suivre de près avec Thierry Kambundi ce qui se passe là-bas. Nous avons la chance que Thierry Kambundi est justement là où le journaliste devait être. Journaliste de la plus grande radio, la radio la plus suivie de Kinshasa, Top Congo FM. Il est là tous les jours avec nous pour partager avec nous les informations telles qu'elles se déroulent par rapport au coronavirus. Et bien sûr, ma partie préférée sera là. C'est la partie où je vous écoute, où vous pouvez vous exprimer pour partager vos idées, vos pensées. Tout ce que vous pensez peut contribuer à lutter contre cette pandémie. Ce sera tout à l'heure dans la troisième partie de cette émission Marius chez vous, que j'ai le privilège, le bonheur et le plaisir de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. L'une des choses que vous pouvez aussi faire quand vous vous joignez à nous, c'est de copier le lien, de le partager avec vos proches pour les inviter à venir se joindre à nous. Vous avez des groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Juste copier les liens, partager dans vos groupes WhatsApp, inviter d'autres amis. Dites-leur qu'ici, nous avons un espace de discussion où nous parlons de ce qui nous regarde, ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne tous donc, la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Alors tout à l'heure, donc nous allons avoir Thierry Kambundi et puis avec lui, on va parler de comment les choses se passent. Hier, si vous nous aviez suivis, nous avons parlé notamment de la lenteur avec laquelle la communication est faite autour de cette pandémie. Alors que sous d'autres essieux, dans d'autres États, comme les pays dans lesquels vous vivez tous les jours, je prends mon exemple aux États-Unis, vous m'avez dit qu'il ne faut pas que je compare. Enfin, Donald Trump qui parlait presque pas aux journalistes. C'était rare. Tous les jours à 11h, il est là pour donner l'état des lieux, pour parler de la situation, comment la situation évolue et répondre aux questions des journalistes et donc aux préoccupations de la population. En République démocratique du Congo, c'est de moins en moins cette communication. Nous allons essayer de voir avec Thierry Kambundi comment les choses maintenant se passent à Kinshasa depuis hier que nous l'avons eu dans cette émission Marius chez vous. Donc Thierry Kambundi qui sera avec nous en direct de Kinshasa. Cher Thierry, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous en direct de Kinshasa. Encore aujourd'hui, c'est toujours un bonheur, une chance de t'avoir avec nous à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Marius, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup hein, Thierry d'être encore avec nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi la situation aujourd'hui à Kinshasa? Fais-nous un tableau. Alors, au niveau du bilan, la situation a évolué par rapport à hier parce qu'on compte désormais 36 cas avérés de coronavirus, donc 36 personnes infectées. Et deux morts, on a déploré les deux morts depuis hier ou avant-hier. Donc voilà, 36 morts et deux morts, ça fait 34 personnes pour le moment infectées qui sont prises en charge. On va dire également au plan administratif ou au plan de la gestion de la riposte que le président de la République a échangé aujourd'hui avec le bureau de l'Assemblée nationale. Les images d'ailleurs circulent sur la toile. Il y avait la présidente Jeanine Mabunda et son premier vice-président Jean-Marc Kabunda, et ainsi que le président du Sénat Alexis Thambwe Mwamba et le premier ministre sur comment préserver la vie des Congolais contre le coronavirus et tout en assurant le bon fonctionnement des institutions en cette période de crise. On sait que le Sénat et l'Assemblée nationale, malgré la rentrée parlementaire du 16 mars dernier, n'ont plus organisé de plénière. L'Assemblée nationale a organisé une séance pédagogique avec le docteur Muyembe, puis plus rien. Donc les activités sont, suspendues au Parlement. Alors le président a échangé avec les responsables de ces institutions, y compris le chef du gouvernement, avant d'échanger avec l'équipe de la riposte, hein, notamment avec le secrétariat technique conduit par le docteur Muyembe. Et nous apprenons de la présidence de la République qu'au terme de ces échanges, Félix Tshisekedi devrait s'adresser pour la deuxième fois depuis l'avènement, on va dire, hein, ou depuis la première contamination du Covid à Kinshasa. Il devrait s'adresser à la nation ce mercredi, donc après-demain. Mercredi. Pourquoi il faut attendre mercredi? Enfin, excuse-moi, Marius, je reviens tous les jours sur la même chose, la gestion du temps. Elle nous aurait aidé à beaucoup de choses, à anticiper certaines histoires, mais bon, voilà. Je ne sais pas exactement, je viens d'avoir la précision 5 minutes avant que vous m'appeliez d'ailleurs, parce que dans un premier temps, on avait annoncé qu'il devait s'adresser à la nation mardi. Puis là, j'apprends ces services que ce sera pour mercredi. C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs le directeur de cabinet à un média en ligne. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas plus d'explications que ça. Donc je vous le disais de toutes les façons hier que si réunion il y a, elle n'aura pas lieu le matin, elle aura lieu les après-midi, c'est ce qui s'est fait. Et si réunion il y a, le compte-rendu ne tombera pas le soir. Donc ce n'est pas une surprise. Le compte-rendu n'est pas tombé ce soir. Le compte-rendu, nous l'entendrons de sa propre bouche 2 jours après. Donc okay, d'accord. Mais c'est ça, notre système de fonctionnement. Le président de la République, il y a eu des tweets, hein, des fake news sur les réseaux sociaux qui ont circulé que le président de la République était testé positif, ce qui était faux. D'ailleurs, il est apparu apparemment très serein. On l'a vu sur ces images aujourd'hui. Donc apparemment en bonne santé. donc il va communiquer mercredi. Ouais, ce mercredi, il va s'adresser à la nation. Waouh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti en attendant? Donc, une semaine, jour pour jour, après sa dernière adresse. Est-ce qu'il y a quand même une communication en attendant la grande communication du président de la République? Qu'est-ce qui sort de cette réunion que les Congolais peuvent retenir? Vous savez, Marius, la primeur est réservée aux chefs hein, chez nous, hein, parce que lorsque Jeanine Mabunda, Alexis Thambwe Mwamba et Sylvestre Ilunga sont sortis de cette réunion, des journalistes leur ont tendu le micro. Jeanine Mabunda dit que je ne peux
pas me prononcer avant l'adresse du président de la République. Donc voilà, c'est un peu comme la dernière réunion avant l'adresse du président de la République le mercredi dernier. Un compte rendu avait été fait par le porte-parole du gouvernement qui avait simplement dit qu'on a parlé de ça, mais le président de la République va annoncer des décisions. Donc voilà, on s'attend à ce que des mesures soient peut-être renforcées au sujet de la lutte, parce que depuis hier, je vous disais que de plus en plus des voix, des élus, des voix, de certains leaders politiques, leaders de la société civile, appellent au confinement des femmes, confinement, à la mise en quarantaine de la ville de Kinshasa. Ils demandent que Kinshasa soit coupé d'autres provinces du pays pour éviter la propagation du Covid-19. Donc, d'accord, la mise en quarantaine de Kinshasa, Thierry, on en parlera tout à l'heure, si c'est possible, comment est-ce que ça peut se faire, pourquoi est-ce que ça traîne et pourquoi c'est pas possible de le faire, on en parlera tout à l'heure. Mais quand je vois ces images de cette réunion, je vois que tout le monde, enfin, je vois que en tout cas, quatre personnes dans la salle portent des masques de protection. Est-ce que c'est une communication? C'est pour ne pas contaminer le chef de l'État? Ou bien c'est pour se protéger contre le chef de l'État? Ou bien c'est que avant d'arriver à la présidence, il n'y a pas de test pour quand on approche le chef de l'État, qu'on doit porter ses masques? Qu'est-ce que tu lis derrière, Thierry? Il y a un dispositif, me semble-t-il, au palais, à la Cité de l'Union africaine, il y a un dispositif de contrôle. Mais vous savez, ces appareils qui testent la température ne suffisent pas à définir si vous avez le coronavirus ou pas. Hein. Mm-hmm. Oh, ouais, c'est juste vérifier votre température, si elle est anormalement haute, peut-être on vous suspecte ou on vous met de côté, mais ça ne suffit pas. C'est ce qui a fait que tous les premiers cas qui sont entrés à Kinshasa sont passés par là, ils ont été contrôlés et puis voilà, il n'y avait rien. Donc le problème n'est pas celui-là. Hein. Je crois que quand vous regardez l'image, je connais un peu la salle dans laquelle s'est tenue cette réunion, il est difficile que des personnes qui ont pris part à cette réunion puissent soit contaminer, soit être contaminées par le chef de l'État, parce que la distance est quand même assez importante avec la table du président de la République. Et vous allez vous rendre compte également qu'entre eux, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle, ils s'étaient espacés. Ils ont respecté les distances à plus d'un mètre. Même si le directeur de cabinet, lui, il a le masque sur lui. Enfin, le masque se porte maintenant. C'est à la mode, même si les spécialistes nous ont dit que ce n'est pas important que ceux qui n'ont pas le virus puissent porter des masques. Mais bon, voilà, ici comme ailleurs, les gens portent les masques. Hein. Peut-être que parce que c'est une réunion, parce que les gens vont parler, donc la salive va se dégager de certaines bouches. Ouais. Pour éviter cela, je ne sais pas s'ils ont parlé avec leurs masques, mais en tout cas, voilà, ils ont mis des masques comme j'en ai vu dans plein des reportages, dans des cabinets, des ministères, etc. Donc voilà, c'est à la mode maintenant. On peut pas refuser ça à quelqu'un. Elle est pas mal, la présidente de l'Assemblée nationale avec son masque, pas mal. C'est cool. Alors, Thierry, revenons sur ce grand sujet. On parle beaucoup de la mise en quarantaine de Kinshasa. Parlons-en. Mise en quarantaine veut dire pas de sortie, pas d'entrée à Kinshasa. Est-ce que c'est faisable avec la réalité actuelle? Ou encore, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est faisable quand on sait que Kinshasa dépend des autres provinces? Qu'est-ce que t'en penses? Écoutez, dire c'est tard, je ne sais pas. Moi, je suis toujours dans la mesure. Il y a aujourd'hui 36 cas avérés des personnes. Ça, ce sont des chiffres officiels. On ne sait pas ce qu'il en est des personnes qui ont été en contact avec ces 36 personnes. D'autant plus qu'il n'y a pas de communication autour des identités de ces différentes personnes. Bon, avec ce nombre de personnes contaminées et déjà les deux morts enregistrés, en plus du fait que la maladie s'est exportée
à Lubumbashi, même si on attend toujours les résultats officiels de l'INRB, est-ce qu'il n'était pas, il n'est pas l'heure de mettre Kinshasa en quarantaine? Beaucoup, en tout cas beaucoup, pensent que oui, même s'il y aura des conséquences. Le plus important à signaler ici, je viens de parler, Marius, avec le président des armateurs du Congo. Tu vois, privé, bazarana ba masua na bango et kindara ba mbandaka, ba kisangani et tout ça. Même l'Arabie so bambisi ya okauka, na ba biloko outara équateur et outara kisangani, etc. Alors que il y a une semaine ou il y a cinq jours, le mercredi dernier, le président de la République instruisait le gouvernement pour que le même dispositif qu'il y a à l'aéroport international de Ndjili soit mise en place dans tous les postes frontières, en tout cas dans tous les ports de la République démocratique du Congo ou les ports qui ont accès à la capitale, alors qu'un peu plus tôt, avant même que l'on annonce le premier cas de COVID-19 à Kinshasa, le ministère de la Santé avait annoncé que des dispositions ont été prises dans ce sens-là. Le président des armateurs du Congo m'a dit, il y a près d'une heure maintenant, que rien, mais alors rien n'est fait. Donc, bandeko na biso bazo uta, bazo yanzela mai, bazo kota kisasa, bazo ya kisasa, bazo kenezela mai, bazo bima, na bango normalement. Il n'y a pas de contrôle du tout, mais il n'y a rien qui est fait, quoi. J'ai parlé dans la journée avec le ministre de la Santé du Congo central, qui, avec ce qui s'est passé dans la province du Haut-Katanga, s'est vu avec son gouvernement dans l'obligation de mettre en place également, au niveau de la province, de prendre des précautions, on va dire, de mettre en place des points de contrôle pour limiter les accès ou en tout cas les contrôler, hein, des accès parce que la frontière n'a pas encore été fermée avec Kinshasa. Donc voilà, c'est le dispositif. Cinq jours après l'adresse du chef de l'État, n'est pas encore totalement mise en place et toutes nos provinces au jour d'aujourd'hui sont exposées à l'exportation du coronavirus venu de Kinshasa. Et même dans les rapports que nous avons entendus dans la journée au sujet du vol qui a amené ces passagers vers Lubumbashi, il nous a été rapporté qu'au départ de Kinshasa, ces passagers n'étaient pas contrôlés, voyez-vous. Wow. Même si on peut pas dire que c'est ce qui est à la base de la situation, parce que on peut ne pas développer une forte fièvre deux ou trois heures plus tôt et subir ou vivre le contraire dans les heures qui suivent. Donc voilà, ces passagers là avec son fils pouvaient avoir une température normale au départ de Kinshasa et être au-delà de 37-38, il faut arriver à Lubumbashi, ce n'est pas exclu, mais dans tous les cas, il n'y avait pas de contrôle. Donc ces passagers n'étaient pas suffisamment contrôlés au moment de prendre l'avion. Donc il y a une sorte de négligence au niveau des vols nationaux, au niveau des ports au niveau national, au niveau des barrières pour passer d'une province à une autre. Kinshasa est relié par la route avec le Congo central. Kinshasa est relié par la route avec le Kwango, le Kwilu, le Kasai, etc. Donc voilà, il y a une sorte de négligence où on va dire il n'y a pas de mise en place du tout, de mise en place efficace. C'est ce qui fait que beaucoup d'élus, des leaders sont montés au créneau ces 24, ces 48 dernières heures pour dire carrément qu'il faut couper la capitale des autres provinces. Oui. Est-ce que c'est faisable, Thierry? C'est faisable, Marius, parce que on a déjà réussi à couper Kinshasa, on va dire, du monde, parce que la décision du président d'interdire des vols en provenance des pays à risque ou des vols qui sont passés par des pays à risque, c'était une façon de nous couper du monde. Aujourd'hui,
près de 200 Congolais sont bloqués à l'aéroport de Dubaï. Voilà, soit parce, ce n'est pas forcément parce qu'ils viennent d'un pays à risque, même s'il y a eu au Burundi quelques cas de contamination en provenance de Dubaï, mais aussi parce que probablement l'avion qui doit les amener à Kinshasa va passer par un pays à risque. Donc voilà, on est déjà d'une manière ou d'une autre quasiment coupé du monde. Maintenant, parlons de Kinshasa. Oui. Vous vouliez dire ? Non, parlons de Kinshasa, vas-y. Oui, parlons de Kinshasa. On sait, pour ceux qui ont habité à Kinshasa et qui sont nombreux à nous suivre, que Kinshasa vit aux dépens de certaines provinces concernant des produits tels que la farine de maïs, la farine de manioc, le haricot, bon, bref, biloko et belé tolia kanakisasa et utaka. Soit na Congo central, soit na Bandundu, je parle de l'espace du grand Bandundu, soit à l'est du pays, aujourd'hui le Madesu et tout ce qui vient de l'est également est très très consommé à Kinshasa. Donc voilà, c'est Kinshasa dépend de ces provinces-là pour vivre et pour se nourrir. Et donc une décision comme ça déjà ferait paniquer le marché. Et on sait que notre économie est très fragile. Il suffit qu'on annonce une mesure pour que des produits qui viennent de ces coins-là deviennent rares dans le marché et que les prix de ces produits prennent de l'ascenseur. Mais je pense qu'en toute responsabilité, le président de la République, son gouvernement et tous les responsables qui prennent part à ces différentes rencontres pour gérer cette crise doivent prendre des dispositions. Comme ça a déjà été le cas pour des pays à risque, parce qu'on a interdit des vols en provenance des pays à risque, mais on n'a pas interdit des cargos. Il a dit, sauf des cargos ou des avions qui transportent de la marchandise, des cargos ou des bateaux qui transportent de la marchandise vers la République démocratique du Congo. Donc, il y a possibilité de prendre des dispositions par rapport à certains commerçants ou à certains commerces, je veux dire, en provenance de ces provinces pour que Kinshasa ne soit pas en pénurie d'aliments en provenance soit du Congo central, soit de l'est de la RDC, soit du Grand Bandundu. Donc ça sera difficile pour les Kinois, mais c'est largement faisable si jamais on prend des dispositions qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut pas éviter de prendre certaines décisions si ça va dans le sens de protéger la population. On a surtout dit, et beaucoup de députés, je leur ai donné raison sur ce point, ont souligné que si jamais cette maladie réussit à s'exporter au-delà de Kinshasa, comme c'est déjà le cas, on touche du bois pour que ces tests-là soient négatifs, en attendant la confirmation de l'INRB, comme c'est déjà le cas pour Lubumbashi, ça sera la catastrophe, Marius. Déjà ici, le dispositif sanitaire ne tient pas. Il est fragile, il est faible. Déjà ici, il y a une négligence criante. J'évoquais ici les ports, j'évoquais les aéroports qui n'ont pas mis en place ce mécanisme strict et rigoureux de contrôle aux frontières comme cela devrait être le cas. Imaginez maintenant Kakenge, que chez vous, je ne sais plus c'est où, mais bon, à Bandundu ou à Matadi, ou voilà. Chez moi, c'est parti au Congo. Bon, on comprend ce que tu veux dire, Thierry Kambundi. Je sais que c'est ce que vous dites souvent aux téléspectateurs, mais bon, vous vous situez quelque part. Je me situe juste au milieu, je ne sais pas où, Bref, Marius, imaginez coronavirus est commis à Mbandaka. Pour moutou mora zalagi nangu na Kisasa, azuib masua, akei Mbandaka, et puis akei nangu kuna, commerce, il est commerçant, a commis un port, il est entré en contact avec les gens, a teki, a pandi, a ngokuna. Voilà, déjà, il faut ramener des échantillons ici à Kinshasa pour faire le test. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Déjà qu'ici à Kinshasa, on semble ne pas bien comprendre ou maîtriser. Oui, le problème, c'est que la lutte est longue. J'ai même pitié de toi quand tu parles, tu sais, parce que c'est vraiment... C'est vraiment compliqué. Entre-temps,
Je pense sans pour autant dévancer le président de la République ou lui couper l'herbe aux pieds, ou sans entrer dans le secret des dieux, parce que c'est lui seul qui va prendre la décision. Je pense qu'on tend vers la mise en quarantaine de Kinshasa, même si ce n'est pas encore confirmé. C'est bien évidemment aux autorités d'en apprécier l'opportunité. D'accord. Il faudra encore attendre 48 heures pour le savoir. Entre-temps, 48 heures, le nombre peut doubler et puis les gens peuvent être contaminés et puis ainsi de suite. Malheureusement, non seulement les nombres vont être doublés, peut être doublé, mais durant ces 48 heures, des Quinois, de nombreux Quinois iront à Matadi, iront à Boma, iront à Kenge, iront à Kikuit, iront à Chikapa par la route. De nombreux Quinois prendront l'avion parce que ce n'est pas encore interdit pour Goma, pour Kisangani, pour Lubumbashi, pour Kolwezi. Donc voilà, la circulation va se poursuivre normalement à l'intérieur du pays durant ces 48 heures avec tous les risques que cela encourt. D'accord. Alors, est-ce que tu as de nouvelles? Hier, on parlait encore de Lubumbashi. Est-ce que tu as des nouvelles de comment la population a réagi ce matin à cette nouvelle, à ce décret du gouverneur de la mise en quarantaine de la province? Je crois que les images, c'est un peu le bon côté des réseaux sociaux. Hein. Rien ne se cache aujourd'hui. Les images circulent un peu depuis ce matin sur la toile. On a vu une ville qui s'est réveillée plutôt dans le calme, un calme inhabituel. On ne dira pas que ça a été scrupuleusement respecté parce que j'ai eu notre correspondant il n'y a pas longtemps. Il évoquait justement ce qu'on était en train de soulever ou de souligner hier, le fait que les gens n'étaient pas préparés à ce confinement, ils sont surpris, 21h, on leur dit à partir de demain ne sortez pas, ceux qui étaient souples, peut-être, cette nuit même, ou la nuit dernière, sont sortis pour aller s'approvisionner, mais pour la plupart, je crois que c'était difficile pour eux, donc, ils étaient contraints de rester à la maison le matin, mais beaucoup n'ont pas tenu et ils sont sortis les après-midi pour aller se chercher à manger. Donc voilà, ça a été peut-être globalement respecté, mais il y a eu quelques louchois qui ont bravé cette mesure pour aller se chercher de quoi manger, faire manger leurs dépendants. Ça, on pouvait bien s'y attendre. Comme disait Saïsaï, le seul Congolais qui était préparé au confinement, c'est Joseph Kabila qui a choisi, lui, son confinement avant tout le monde. Il nous a fait rire il y a 3 jours. Ouais. Alors, parlons maintenant de la gestion de la crise. Il y a ce flou autour de la gestion de la crise. On ne sait pas exactement, est-ce que c'est le docteur Muyembe, est-ce que c'est le ministre de la Santé ou le Premier ministre qui gère cette commission, je ne sais pas comment tu appelles ça, de pilotage de la crise contre le coronavirus. Ça, c'est un vrai problème, Marius Mounga. C'est un vrai problème. J'espère que le président de la République va trancher. Hein. Je vais vous lire un passage d'une interview du professeur, du docteur Eteni Longondo au sujet justement de la gestion de cette crise. Le problème, c'est que y a trop de têtes de commandement. On ne sait pas au final qui dirige. Tu es déjà en train de le citer? Non. Okay, je suis en train. Parce que je l'ai lu, je dois retrouver l'article, excusez-moi. Okay, je dois retrouver l'article, mais entre-temps, je dis sur base de ce que j'ai lu. Voyez. Le docteur Muyembe s'occupe des aspects techniques et selon le ministre de la Santé, lui, le docteur Eteni Longondo, va plutôt gérer véritablement, c'est-à-dire que c'est lui qui va ordonnancer les dépenses, etc. Et le chef du gouvernement, puisque c'est à l'exécutif d'en assurer le suivi, sera là pour
sera là pour coordonner, on va dire, le comité de crise. Alors, ça, c'est très compliqué parce qu'en interne, on parle d'un conflit entre le docteur Eteni et le professeur Kayembe. Voilà, c'est la machine est trop lourde et ça, ça n'aide pas la riposte. Ça n'aide pas la riposte. Je pense que le président de la République, qui les a réunis aujourd'hui, j'espère qu'il a tiré les choses au clair, parce que rappelez-vous que la riposte contre Ebola avait tâtonné, était un peu lourde. Suite à cela, on a reproché un certain nombre de choses au ministre Oli Ilunga, qui vient d'être condamné d'ailleurs par la justice. Et par la suite, le président a tiré les choses au clair. Il a nommé un secrétariat technique dirigé par le docteur Jean-Jacques Muyembe, qui dépendait directement de lui ou de son cabinet. Depuis, les choses se sont mieux passées et jusqu'à ce qu'on en soit arrivé là. Donc, on est à quelques jours de déclarer officiellement Ebola terminé en République démocratique du Congo. Là, j'ai même oublié d'évoquer le task force mis en place par la présidence de la République. Donc, tout commence déjà par la présidence de la République. Le président a mis en place un petit comité dans son cabinet pour suivre le dossier. Du président, on passe au Premier ministre qui est le coordonnateur. Premier ministre, le ministre des tutelles qui pilote un peu la riposte. Et puis, le docteur Muyembe qui, selon le ministre, s'occupe des aspects techniques, c'est-à-dire tests et l'organisation un peu de la riposte au niveau technique sur le terrain. Donc, la machine est un peu lourde. Il faut tirer les choses au clair. Bon, moni makama mbongo, et ça va toujours compliquer na mboka na biso. Aujourd'hui, le budget, c'est vrai, ne s'élève qu'à 1,8 million de dollars américains. C'est insignifiant pour la riposte et pour un pays comme le Congo. Mais demain, avec l'aide des partenaires, avec des dons qui viendront ou avec le gouvernement qui pourrait peut-être revoir ce budget à la hausse, ça sera des gros montants à gérer. Et C'est combien le budget? Le budget, pour le moment, mis à la disposition de la cellule de riposte, s'élève à 1,8 million de dollars américains. Donc, alors, excuse-moi, je vais juste réfléchir. Tu te souviens de cette histoire de fêter l'alternance en République démocratique du Congo? Tu te souviens de ça? Ouais. C'était quoi le budget? Le budget évalué à 6 millions. Ouais, je m'en rappelle. Avec un budget de 6 millions. Bon, ouais. Les gens, les voix se sont levées, finalement, ça a été annulé. Et pour répondre à coronavirus, le budget, il est 3 fois moins que pour une célébration. Enfin, bref. Voilà. C'était juste une parenthèse. Ce budget a été révélé dans l'émission dont vous avez passé l'extrait la fois dernière, l'émission qu'on a faite le vendredi dernier avec le docteur Eteni. Alors, j'ai retrouvé l'article. Je vais vous lire exactement ce qu'a dit le ministre de la Santé. Je vous écoute. Excusez-moi. Le président de la République n'a pas dit que le professeur Muyembe, je le cite, hein, le président de la République n'a pas dit que le professeur Muyembe prendra la tête de la riposte. Il va prendre l'équipe technique de la riposte. L'équipe technique est composée de plusieurs commissions et c'est lui qui va coordonner ces commissions. Il y a une commission multisectoriel qui est présidé par le président de la République et par le premier ministre, pardon. Il y a une commission nationale de coordination qui est présidée par moi-même, donc il parle de lui. Donc, commission multisectorielle présidée par le premier ministre, commission nationale de la riposte présidée par lui-même, le ministre, et le professeur Muyembe va présider la commission technique qui répondra au ministre, à la commission multisectorielle et à la commission multisectorielle qui est présidée par le Premier ministre. Donc, le docteur Muyembe va répondre du ministre et du Premier ministre. Il dit qu'il n'y aura pas empiètement, il va s'occuper juste de la partie technique, c'est-à-dire prise en charge, diagnostic, suivi des malades et partie coordination qui se fait au niveau du ministre. Il a dit que c'est lui qui va ordonner le décaissement des fonds, ça sera le ministre. Alors, Thierry, toi, tu es parmi les commentateurs sportifs dont je suis fanatique, que j'aime bien suivre.
Et il y a un adage qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, nous savons que le docteur Muyembe a mis en place un système après avoir été nommé par le président de la République pour lutter contre Ebola. Et voilà, ça a marché. Donc, il a gagné. Pourquoi ne pas l'utiliser? Je ne pense pas que c'est à toi que je dois poser cette question. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas utiliser le même système qui a marché pour Ebola pour le coronavirus? Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Marius, vous avez résumé l'affaire en disant qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est vrai que les enjeux aujourd'hui ne sont plus forcément les mêmes, mais je vous ai dit qu'avec le docteur Oli Ilunga, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu trop de problèmes dans la riposte à Ebola. Le président de la République a restructuré les choses et a confié le secrétariat technique au docteur Muyembe, qui a réussi ou qui est en train de réussir son pari. Aujourd'hui, si on a renouvelé la confiance au docteur Muyembe, c'est par rapport à ce qu'il a fait pour Ebola. Et il n'en était d'ailleurs pas à sa première expérience. Voyez-vous ? Donc, je crois que les choses devraient être tirées au clair. On ne dit pas qu'il doit être comme un électron libre, parce que lorsqu'on le nommait, il faut aussi reconnaître que le gouvernement n'était pas encore en place. Lorsqu'il a été nommé secrétaire technique pour la riposte à Ebola, il n'y avait pas encore le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un gouvernement. Il peut ou doit être sous la supervision du chef du gouvernement, mais on doit lui laisser les mains libres pour agir, d'autant plus qu'il a. Il a 78 ans, il a l'expérience, il a combattu et vaincu Ebola plus de 3 fois en République démocratique du Congo. Il a fait toute l'expérience et il a fait tout le parcours qu'il a fait. Donc voilà, je pense qu'il faut assouplir la machine à ce stade pour éviter un peu ces pôles de décision. Le ministre va dire, le premier ministre va dire oui, le ministre va dire non. Finalement, lui va se retrouver peut-être comme des noms de la farce alors qu'il a géré des personnes de terrain. Donc c'est compliqué. Ce que je n'ai pas dit, Marius, c'est que le personnel soignant est en train de menacer d'aller en grève parce qu'il se sent non protégé, parce qu'il n'a pas encore d'équipement et parce que le gouvernement ne le rassure pas encore concernant les primes auxquelles il doit s'attendre dans cette phase de la riposte. Donc c'est très compliqué et il faut absolument assouplir la machine. Et moi je suis parfois, bon, c'est vrai que le gouvernement est là, il est responsable, il doit gérer, mais lorsqu'il s'agit d'un technicien qui a fait ses preuves sur le terrain et surtout qui a la confiance des bailleurs des fonds. Il ne faut pas l'oublier. Depuis que le docteur Muyembe a piloté la riposte à Ebola, on n'a pas entendu des plaintes. On a vu beaucoup de gens converger vers lui. Lorsqu'on lui a confié le secrétariat technique, on a directement vu la Belgique qui a amené des dons. Et voilà, il a la confiance des bailleurs des fonds. C'est très, très important dans cette phase. Et il faut qu'on lui confie beaucoup plus de responsabilités. Voilà, on espère vraiment que cette histoire va pas continuer comme ça et que surtout tu sais... Marius, excusez-moi, disons les choses telles qu'elles sont, surtout aussi parce que on a vu que la gestion de l'actuel ministre de la Santé était trop limitée. Sa communication et son déploiement sur le terrain depuis, on a suivi d'ailleurs, vous avez diffusé l'extrait de l'émission, c'était quand même trop limité pour un ministre de la Santé d'un pays comme le Congo. Je pense qu'il est temps de faire en sorte que le docteur Muyembe assume pleinement ses responsabilités. En tout cas, Thierry Kambundi, on ne peut pas te dire merci assez pour tous les efforts que tu fais pour... nous informer comme si nous étions à Kinshasa pour suivre de près ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. En attendant la communication du président de la République dans 2 jours, il y aura un message. Écoute Thierry, en fait ça c'est entre nous journalistes. Il y a un service de communication à la présidence de la République. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un direct chaque jour sur la RTNC où le président de la République, entouré du ministre de la Santé, du docteur Muyembe et des 2 infirmiers, qui chaque jour, à 12 heures,
vient parler aux Congolais sur qu'est-ce qui se fait. C'est comme ça que ça se passe. Et non seulement ça va les crédibiliser et que les gens vont se sentir, mais ça va travailler dans la psychologie des gens de savoir que situation, ils en ont beaucoup. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous ne pouvez pas communiquer ça, enfin, vous qui êtes sur place? Marius, je ne sais pas si nous avons des leçons à donner en à tout cas, tous ces experts. Apparemment, il y a des gens qui ont besoin de leçons, là. Je ne sais pas s'il faut, si ceux qui sont autour du président ne voient pas ce que nous voyons au quotidien à travers tous les médias du monde. Hein? J'évoque régulièrement ici, et parfois même tu me rappelles que non, il ne faut pas tout le temps comparer, j'évoque régulièrement ici les exemples de la France, de la Belgique, parce qu'au quotidien, quand tu suis les médias internationaux, nous sommes journalistes, nous sommes obligés de les suivre. Parce que même des citoyens normaux suivent ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Le coronavirus n'intéresse pas que le Congo. Le coronavirus sévit plus ailleurs qu'au Congo. Alors, nous devons voir ce qui se passe ailleurs, comment ailleurs on riposte et on communique et quelles sont les mesures qu'on prend ailleurs contre le coronavirus pour nous préparer, même si nous n'avons pas encore atteint ce stade-là. Vous allez loin en disant que, en demandant que le président communique au quotidien. Ce n'est peut-être, il peut peut-être le faire comme Macron l'a fait une ou deux fois, mais il y a un comité technique, un comité multisectoriel qui a été mis en place. C'est-à-dire que ce comité regorge en son sein des ministres de plusieurs secteurs impliqués dans la riposte au coronavirus. Ce comité-là doit être bien organisé. Il est coordonné par le Premier ministre. Il faut un porte-parole, il faut des techniciens. Aujourd'hui, par exemple, on a annoncé la première conférence de presse de l'INRB qui a été reportée. C'est peut-être à cause de la réunion à la présidence de la République. Mais bon, voilà. Il nous faut un point au quotidien. Ce n'est pas possible. En France, ce n'est plus Macron qui parle, mais tous les jours, on nous fait le point à une heure X de la situation. On dit qu'à ce stade, il y a autant de contaminés, il y a autant de morts, on a fait ci, on a fait ça. C'est tous les jours que ça se fait. Aux États-Unis, vous êtes sur place, vous en savez beaucoup plus que moi. Ailleurs, en Italie, donc, bref, ça communique. Ça communique pour assurer. Un auditeur a dit ce matin, avant que le président ne prenne la parole, les gens étaient dans la spéculation. Dès qu'il a pris la parole et qu'il a annoncé les mesures, tout le monde a été rassuré, plus ou moins rassuré, parce que ces mesures, à défaut de faire l'unanimité, en tout cas, ont été saluées, même par l'opposition. Voyez-vous ? Donc, il nous faut... Congolais en a besoin, rassurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Excusez-moi de terminer là-dessus. Il y a beaucoup de points d'interrogation au sujet de la riposte. Contrairement à l'Occident, nous, on ne nous donne toujours pas l'identité des personnes infectées et des personnes décédées. Le docteur, le frère de la ministre de l'économie qui est décédé le premier cas, parce qu'il était connu, bon, le nom a circulé et puis c'était parti. Mais la deuxième personne qui est décédée du coronavirus, et toi et moi, on ne le connaît pas. On spécule, on dit parfois, un coup c'est le chauffeur de ce médecin-là, un coup c'est une autre personne, on ne le connaît pas. Le ministre a levé l'option de garder secret, c'est la loi qui l'impose, secret médical, on garde l'identité des personnes infectées. On dit troisième cas, quatrième cas, cinquième cas, il venait de la France où il a été contaminé ici. Mais le risque dans cela, c'est quoi, Marius? Ngai nazala kina yo. Yo ke na inerbe o salicite se balobi oza contrôlé positif. Ngai na yebite parce que gouvernement boy ko bimisa kombo. Mais ngai na yebite. Moi, je suis personne à risque parce que nazala kina yo. Nenge nazo ke niko panza autour de moi, famille nangai, bandeko nangai, et ebanite. Mais si on ouvre le débat sur la possibilité de lever, pour raison d'intérêt général, certaines restrictions, évidemment, et au Senga qu'on révise la loi parce que, au bazo sa, le lo mbe ko bute peki si bango ba révéler ba identité. Mais si on lève l'option, ne fût-ce que d'ouvrir le débat parce que c'est trop risqué. Ce qui le lo na yo ki a, Marius Azana, on menazala qui n'a pas l'obit. Ah, il faut n'aille bela.
soit je me confine, soit je vais passer un test parce que j'étais avec Marius, qui est mon pote, avec qui j'ai parlé, on s'est touché, etc. Donc voilà, le grand débat, c'est aussi à ce niveau-là. Et donc, il y a tellement de choses à faire et à dire que concernant la riposte au coronavirus au Congo, qu'il est grand temps que nos autorités se réveillent, qu'il est grand temps que nos autorités ne se limite pas à annoncer des mesures, mais les fasse appliquer. C'est très important car c'est des millions et des millions de vies qui sont exposées à l'incompétence de certaines personnes et ça, c'est inadmissible. Alors, moi, j'étais en train de rigoler parce qu'il y avait un téléspectateur qui était en train de suggérer que ça mène. Azo regrette mène. Bon, Thierry, ben, merci, oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi dans cette émission pendant cette période. Et on te retrouve sûrement mercredi ou demain, si mercredi quand le président parlera. J'espère non, je suis là, ça va. Et, non, non, on n'est pas. Ouais. Il faut espérer que ce soit tôt. Hein. Pour qu'on ne soit pas obligé de faire une émission spéciale à 1h du matin comme c'était le cas hier. Entre-temps, je sens que tu es grippé. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Non, je ne suis pas grippé, mais j'ai attrapé... Voilà, ça va. Okay. Globalement, ça va. Je ne vais pas inquiéter les gens, ça va. Il ne faut pas t'inquiéter non plus, parce que généralement, les gens, ils sont psychologiquement malades et puis après, ils tombent dans des... Non, ça va. Ça va aller, des cœurs. Rassurez-vous que ça va aller. J'ai été en contact avec de la poussière. Et avec le ministre de la Santé. Non. Il est négatif. Non, lui, ses résultats, je le connais, il est négatif. Thierry, merci beaucoup. Hein, merci encore. Okay. Et prends soin de toi. Merci, Marius, et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était Thierry Kambundi depuis Kinshasa qui nous donnait donc ces nouvelles qui sont pas tout à fait rassurantes de la République démocratique du Congo par rapport à la lutte contre cette pandémie de coronavirus. Voilà, maintenant c'est ma partie préférée, c'est celle que j'aime, c'est où vous exprimez sur le sujet que nous vous proposons. J'aime bien cette partie parce que c'est la partie qui nous permet de partager ce que nous avons. Est-ce que vous pensez que Kinshasa doit être mise en quarantaine ou pas ? Dites-nous ce que vous pensez et ce sera tout à l'heure après cette petite chanson de Iyenga qui me permettra de boire un peu d'eau. Allez, à tout à l'heure. Mpaka wafufuke wachezaji wa zamani neno sisi wote tutaimba mlugi ngine ila wageni wasitusikilize siri ya mgini yetu tutaweza kuichunga namna hiyo neno Pumzika unavyopenda, changamka unavyotaka, furaha unavyoona neno. Neno. Vuta mwili wako nda, pumzika unavyopenda, changamka unavyotaka. Voilà, on est de retour, mesdames et messieurs. Nous allons prendre ce tout premier appel de l'émission qui vient de l'Afrique du Sud. Allô ?
Bonsoir, monsieur Marius. Je vous appelle depuis l'Afrique du Sud. Bonsoir, mon frère. Vous vous appelez comment? Moi, c'est l'abbé Patience Lukeso. Monsieur l'abbé, c'est un plaisir de vous avoir. Patience Lukeso. Monsieur l'abbé, Patience Lukeso. Merci beaucoup, Marius. C'est juste pour vous partager un peu mon expérience par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Bien entendu, autour de cette histoire de la pandémie qui endeuille tout le monde. C'est-à-dire que ce soir, le président sud-africain vient d'annoncer des mesures drastiques. Tout le monde, à partir de jeudi minuit, doit rester chez soi. Il n'y a pas de compromis. Seuls les services d'urgence, tels que les infirmiers, et la police, les militaires et aussi les banques, seront en fonction. Mais les autres, chacun doit rester chez soi. Et seulement les malades qui seront peut-être dans un état d'urgence, qui peuvent se déplacer, mais tout le monde doit rester chez soi. Et je le dis parce que je crois qu'au point où on en est, chaque pays est en train de se retirer. Vous savez que même la soi-disant Union européenne, chaque pays, vous allez voir que chacun se retire, les frontières sont fermées, et je me demande même s'il y a des réunions entre les dirigeants de ces pays-là. Mais on se rend compte que chaque pays devient responsable de ses propres affaires avant de compter sur les autres. Mmh. Cela étant, je trouve qu'il n'y a pas d'autre mesure que Kinshasa soit, parce que c'est ça la question que vous avez posée, Kinshasa doit être mise en quarantaine. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pour essayer un peu de voir, parce que si sur place à Kinshasa, on a déjà beaucoup de tergiversations pour ne pas savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand arrivera-t-il l'épidémie atteint les milieux les plus enfoncés tels que les villages où il n'y a même pas de petits centres de santé? Donc, à mon avis, Kinshasa doit être mise en quarantaine, peu importe les conséquences qu'on peut en souffrir, mais c'est pour le bien de rester la population. Nous avons tous des frères et des sœurs à Kinshasa, mais Kinshasa, pour moi, ce n'est plus une ville qui nous sert d'exemple. Le comportement de nos frères à Kinshasa, bon, je ne les condamne pas, et c'est pour des raisons de survie, mais absolument, il faudra qu'on arrive à ces mesures drastiques-là et difficiles, aussi difficiles qu'elles peuvent apparaître. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens se posent... Oui, allez-y. Ça, en plus de ça, et c'est pour montrer la bonne volonté du gouvernement sud-africain, il y a des fonds qui ont été alloués et il y a des personnes aussi de bonne volonté qui contribuent pour soutenir les efforts du gouvernement parce que, évidemment, la crise va frapper le pays à haut niveau du point de vue économique, mais c'est pour avoir un peu de l'équilibre pour que le pays ne puisse pas sombrer. Et que les personnes qui sont les plus vulnérables ne puissent pas être davantage exposées, on a mis des fonds quand même disponibles ou des mesures que j'appellerais d'assouplissement. Je vous donnerai quelques exemples. Par exemple, il y a des banques qui se sont prononcées pour retarder les paiements des crédits de leurs clients de 3 mois. Et il y en a d'autres qui ont suivi l'exemple. Et pour moi, c'est très touchant. Mmh. Et vous pouvez même voir le body language, comme on le dit, du président et Ramaphosa. Vraiment, vous pouvez voir comment est-ce qu'il est sérieux. Déjà, à partir de son corps, vous savez voir qu'il prend la chose au sérieux. Et maintenant, il n'y a même pas d'opposition, quoi que ce soit. Tout le monde est à la queue leu-leu pour trouver des mesures de survie. Comment sauver les peuples sud-africains? Pour moi, c'est un exemple que... C'est un exemple à suivre. Merci, monsieur l'abbé. Passez une bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Merci. Nous allons prendre notre ami Stani. Bonsoir, Stani. Allô, bonjour. Bonsoir, Marius. Comment vous allez? Ça fait longtemps, ça va bien, merci. Et vous? Ça va, content de vous avoir, Stani. Vraiment, oui, avec toutes ces histoires de coronavirus ici, ça devient un peu difficile de fois. Être en contact de tout ça. faut pas perdre le sourire. Faut pas perdre le sourire. On ne peut pas. On ne peut pas. Stanley, est-ce que vous pensez que Kinshasa doit être mise en quarantaine? Oui, je pense vraiment que Kinshasa doit être mise en quarantaine pour protéger les autres provinces, Marius, parce que province Nabiso Marius Nakongo, on a
il faut vraiment lutter que les malades en aient contacté, hein, parce que il y a des provinces où il n'y a rien, hein, comme hôpital, il n'y a rien du tout. Et que ceux qui Maladouane et Panzani, je crois que ça sera vraiment terrible. Mais une autre chose rapidement est que pas seulement Kinshasa doit être mise en quarantaine, mais il faut aussi que les habitants de Kinshasa puissent prendre des choses au sérieux pour éviter que propagation en aille salement, même à Kinshasa, parce que nous voyons déjà que même à Kinshasa, déjà, c'est terrible. Il y a une photo qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui montre que le monsieur qui est mort, Je croyais que vous pouviez peut-être eu l'information pour poser la question à Thierry qui est à Kinshasa. Il y a le premier monsieur qui est mort de coronavirus, le frère de la ministre de l'économie. Alors, on nous montre des images qu'il a été enterré aujourd'hui et on a organisé une petite cérémonie de deuil. Et dans la cérémonie, on nous dit que la ministre, parce que les informations circulaient que la ministre de l'économie était contaminée, elle devait être mise en quarantaine. Mais sur les images, on voit la ministre de l'économie, Afandi Penakati, à cérémonie, pendant qu'elle devait être en quarantaine, et puis il y a des gens à côté d'elle, et puis le corps du monsieur, Bazola Kisakorbière et Nangoti, pendant qu'on sait bien que les gens, Bakoufina malade, il fallait pas qu'on n'abandonne dans des conditions un peu différentes. Bon, je ne sais pas vraiment, est-ce que nous-mêmes au Congo, là, les Kinois, est-ce qu'ils vont nous au sérieux d'abord pour éviter que la propagation ait salement? Bon, d'un côté, va interdire Matanga. Bon, d'une autre part, bien qu'il y ait un ministre ou pas, la loi, ça doit être applicable à tout le monde. Bon, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on gère cette information. Peut-être dans Talango, ça peut faire l'objet d'une réflexion. Parce qu'en tant que ministre, en principe, il y a écoute fois l'axe exemple, je suis d'accord. Mais moi, il y a spéculé sur Yango Zate parce qu'il y a Talango. Oui. Ok, vous pouvez voir. Mais sinon, c'est une information qui circule déjà. Mais ça me fait très mal de la manière dont le Kinois eux-mêmes prennent l'information. Et nous devons prendre ça au sérieux à partir de Kinshasa et mettre Kinshasa à l'écart. Je crois que c'est une bonne idée pour éviter que les malades en écoute dans la province Moussoussou, parce que il y a des provinces vraiment, ce malade en écoute, c'est fini. Hein, on ne sait pas comment faire. Vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup, Stani. Nous, on vous souhaite d'être prudent, de prendre les mesures des autorités de santé. Et j'espère que vous et votre famille soyez protégés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marius. Merci. Bye-bye. Nous allons prendre Monsieur Julio. Bonsoir. Bonsoir, Marius. Comment vous allez? Et je salue également. Ouais, bon, ça va. Ça va, on tient le coup. En quarantaine ça fait que 2 jours que vous êtes en quarantaine et vous avez l'air de vous asphyxier. Demandez à Sandra Lipino. Vous allez vous habituer, besoin, c'est pas elle vrai. Elle a besoin de me transmettre l'expérience. Vous allez vous habituer. En une semaine, ça va faire partie de vos habitudes. C'est un début. Le début, c'est souvent difficile, mais après, bon, oui, on va s'adapter. Après, on n'a pas le choix. Nous sommes contraints à ces genres de mesures. Ouais. Alors, dites-nous, comment ça se passe sur notre mur? Notre mur va très bien. Maintenant, il y a trop de discussions, trop d'interrogations, n'est-ce pas, sur ce qui se passe, sur l'irresponsabilité du gouvernement, des gouvernants, et aussi quelque part de la population, qu'il faut quelque part prendre des mesures drastiques pour peut-être rééduquer la masse. Je vois par exemple ce commentaire de notre ami Patrick Mandjila qui dit bah frontière nous c'est fallé et c'est la Kukanga depuis Kala mais décision toujours en retard. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Décision toujours en retard. Je trouve qu'il a raison parce qu'il faut pas baser là après s'y demander comment. Dans la précipitation, faire les choses, c'est pas bien. Donc, il y a Sandra Lifino qui dit même que mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est vrai. Donc, tous et la thé et Yinda pour après, tous dans la décision, quoi. Mais néanmoins, toutefois, la Ligue, quand même, aussi, s'exprimer dans deux jours. Bon, au moins Thierry a soulevé le point. Gouvernement a exemple. Il y a un gouvernement. En France, même ici en Angola,
hein, le ministre, la ministre de la Santé, Adossa Rab à point de presse pour faire l'update de la situation. Et ça, et l'autre mot que le ministère de la Santé peut couler la RDC, il faut passer les langues au fur et à mesure que les choses évoluent. Tout le monde, c'était aux deux jours, tu as évité qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal. Alors, une chose est vraie, est que, Maramou et Zoléka, ça dit quoi que je voulais dire, qui se passe dans la décision que le président de la République avait prise pour préserver, n'est-ce pas? C'est pas que Ezo Salamaka en Congo. C'est quelque chose, quelque part, même en Afrique, même en Europe, peut-être, il y a toujours des failles. Même ici en Angola, Marius. Bah, soit qu'il va mesurer pour mettre les gens en quarantaine. Mais les gens sont en train de lamenter place au Batier Bango. Moi, j'ai un ami qui est venu aussi de l'Europe avec sa famille, Namoubana Naini Bale. Place Batier Bango en quarantaine, Bazo partager salle de bain, douche commun. Pour une affaire, peut-être, il y a 25 personnes à peu près. Bon, bah, douche, salle de bain. Déjà, c'est compliqué. Dans le bagout de salle de bain, il y a ça, sur aucune autre commune, nous sommes sur le Kabola, qui cause au moro de 40 personnes. Dans ça, la moulure qu'on a sur la tongue, il y a Marambo. Voilà. Donc, même les augmentations de prix, il y a Biloko. Et Mati, du coup. Donc, les situations, il faut que des gens qui sont responsable. Le président a donné les instructions. Alors, il quitte maintenant les gens qui sont devant le combat, devant on the line of fire, hein, qui doivent maintenant prendre leurs responsabilités. C'est ça. C'est pas que le président Longwakuna pour aller contester bateau basol en Indie, ceux qui basol zabon bat température ou pas. C'est là ne pas le rôle du président de la République. Les gens doivent prendre leurs responsabilités. C'est ça qui est important. Voilà. Mais bon, malheureusement, voilà. On va voir. Ouais. En tout cas, il y a une zala en sécurité, M. Gilles Otana, pour ça, nous m'akassi. Donc, zala m'akassi, le confinement. Ouais. Voilà. Allez, au revoir. Je suis vraiment dans le confinement. Merci. Au revoir. Courage, hein, bye bye. Nous allons partir en France pour prendre cet appel. Allô? Allô? Problème des réseaux en France, malheureusement. Alors, ouais, ça peut arriver, il n'y a pas qu'à Kinshasa où ça arrive. Il y a un problème des réseaux en France, on va prendre cet autre appel. Demain, nous reviendrons avec des détails sur cette campagne de Fally Ipupa que nous soutenons dans cette émission pour vous donner plus de détails sur comment vous pouvez, si vous voulez, contribuer à cette campagne de solidarité. Nous allons prendre donc cet appel. Allô? Allô, Marius, bonsoir, c'est Rita. Rita Malumalu, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Je vais très bien. Comment ça va? Tant que ça durera, on sera toujours là pour pouvoir sensibiliser un peu. Ça concerne tout le monde, ça n'exclut personne. Alors Rita, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il faut mettre Kinshasa en quarantaine? Bien sûr, Marius. Pour ceux qui ont une grande puissance, ils ont un confinement. Ils ont un moyen pour encadrer la population, forcer qui chasse à papa. Voilà, quand on a une question qu'on se pose, c'est la meilleure façon de sauvegarder des vies. Tout ça, la solution, c'est d'abord, il faut mettre la quarantaine, confiner, tout. Et puis surtout, qu'on a la traçabilité. Il y a tout. Bazali déjà ba individu bazali connu pour et ça l'a suivi et bi qui s'abattu. C'est une maladie qui est très très contagieuse des autres les canana ma beaucoup ya batou na contact ya batou. Mais il y a une hypocrisie, il y a ko bomba ba kombo ya batou au nom ya quelle loi ba décret a we bimi en une journée ba décret zone ma tous les jours. Comme ici en France le premier ministre vient de parler encore ce soir. A peki si koutou ba wenzo e zara na ba wenzo zara biso yo mardi ne tenga na vi nange zara mardi na jeudi na ou lobi. Donc, on trouve ka solution. Bon, si kon ngayi na zo koka, lobi na zo amagi na piège na ngayi pou na mamba wa comparaison, na zo koka soute. Pou sou tout zo kompare, chaque jour kon compare sou yon tema passe. Parce que non, et ça lui coûte une comparaison. Te likambo oyo Marius, ça concerne tout le monde, toutes les nations sont à terre. Vous avez vu comment le premier ministre italien a pleuré. Il a pleuré à la télé.
à l'objet vraiment tous alliés impuissants, mais les gens se soukient bisso. Donc tout le monde doit se considérer au même pied d'égalité et faire ce que font les autres pour aider les Quinois. Puisque moi, quand je vois, par exemple, hier, j'ai suivi l'émission avec, excuse que je cite, le ministre de la Santé, même pour un gel, à Zoro, hier, ça chauffeur, à son gel pour Batobaba se protéger. Mais ça, vraiment, conseillé Marius, hein? C'est quoi ça? Ça, Rita, c'est un jouet de la population. Merci, Rita. C'est lui qui doit être vraiment dans les bosses, dans la communication, dans la bat, même à la partir des simples spots. Il y a un zolo qui est comparaison est vraiment compliqué parce que aux hommes la gouvernement est une comparaison et à l'homme qui va chauffer Basomba gel, c'était même pas une comparaison. Il a affirmé que Basomba gel, est-ce que aux hommes la ministre il y a santé à France à l'homme non absolument pas. Est-ce qu'en Afrique, vous n'avez pas payé le ministre de la Santé, le bureau à part, il y a mis sur le Congo? Il faut que vous soyez la traçabilité. Batouana, Obazali, Ater, Balinga, Balingate, vraiment, ça, c'est une obligation. Il faut battre la peine à la commission. Il y a Rolanda Batouana, Bahouta qui wapi, Bakotoya qui banane. D'abord, déjà, pour préserver vie à Bakinoa, ce qui va longango. Mais ce qui va être un anonymat. Bon, on verra comment ça va se passer. Mais est-ce que les cabouya sont n'étaient pas na qui ça ça qu'on a mis sur la corde aux aramalades à table dans un aramalade à coco ça roule dans la baie dans un aramalade. Est-ce que les cabouya sont n'étaient c'est une pandémie elle tue. Batoubazo mon Batoubazo couffa c'est pas une blague Marius c'est nul n'est à l'abri. Merci beaucoup. Soyez ma chancelière allemande basu à donc c'est pas dit que ma congolais ma nul n'est épargné les locaux. On ne va pas cesser de marteler. Merci Rita. Ouais. Merci, au revoir. Merci Rita. J'aime bien Rita. Elle parle tellement bien. On va partir au Congo, j'imagine, pour prendre cet appel. Allô? Oh, problème de connexion en RDC, malheureusement. On va prendre un autre appel qui vient de la France. Allô? Oui, bonsoir Marius. Bonsoir. Oui, j'appelle de la France là. Oui. Oui, bien, j'aimerais un peu voilà, intervenir sur ce sujet. Votre ce nom, sujet-là. S'il vous plaît. Comment? Moi, je m'appelle Patrick. Oui, Patrick, on vous écoute. Oh, ouais. J'aimerais un peu qu'on soit objectif, mais confiner les gens à Kinshasa, c'est ce qui doit normalement se faire. Mais pragmatiquement, c'est impossible parce que bateau vivra au jour le jour. Ce qui m'a limité, il va accolir à tes bateaux. Bateau Kinshasa en quarantaine, ça dit que. Ou ta faut la contrôler comme ça basa en sorte que bateau bazana malade na Kinshasa batika lawana bakabolongo na ba province mususute et on toujours ba Kinshasa en quarantaine. Ah d'accord, c'est na sens wana alors bon, ouais. mais ça veut dire c'est pas confiner les gens chez nanda kuna bango mutaza nanda kuna, on parle de mettre Kinshasa en quarantaine de ba isoler Kinshasa dans la province Moussou. Ah, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, si tel sera le cas, il faudrait Baluka, Basala, zone Morobo, Oe, Abato, Basali infecté, sensibiliser Bango de manière Bakene, na zone Oe, par exemple, Bako créer zone Morobo spécifique, Oe, Bako yko accueillir ba maladie, de manière Baye, Bako contrôler virus, wana, parce que. Et là, il y a le danger qui est à venir. Obi virus, on a ils ont vivre en attente au Mali les Alaka. D'ici la saison sèche au Bandana, le temps, je pense, le 15 mai. Au Romona, si qu'on a na attente au Langa, Mali, Luana, et au fait ça pense que le virus, on a et au s'est propagé ma casse. Donc, jusque là, je n'ai pas encore entendu ni le gouvernement ni même Bato Bazako. Essayer un peu
de sensibiliser les gens, de parler de ce point-là, quoi. Donc, il va faire très froid d'ici là au mois de mai. Bah, toi, comme un malade, mais, il faut que personne ne batte, bah, qu'ils aient un dîner, bah, personne batte, bah, préservatif, na banzé, là, bah, personne s'co batte, bah, masque, mine. Bah, sensibiliser, que, meilleure manière, oh, y a, se protéger, na virus, wana, il faut laver les mains, il faut aussi porter les masques. Même si on n'est pas malade, mais on porte quand même les masques, on parle avec les masques. Et après, il faut toujours aussi qu'on ait un masque artisanaux, parce que on ne peut pas, je ne sais pas si on va vraiment mobiliser de l'argent adéquat pour essayer de payer les masques pour tout le monde. Donc, il faudrait aussi plan B, baluka ba couturier bazala kuna tous biso toye ba déjà au bricoler biso ba africain de manière au créer ba masque moko artisanaux ba tu ba comme obligé à relater ba masque wana même si on n'est pas malade parce que c'est ça vraiment quoi. Donc même atteindre ba province biso zoyakaka exacte ba tia quarantaine na Kinshasa na ba pays biso na ba province biso ekokotaka parce qu'il y a virus moko. Il y a des porteurs sains basalak. Aux gens la maladie en gros mais au yébité. Merci Ndeko, merci pour la point de vue nayo, pour la ba proposition nayo. Toujours Vitali Solo à Kinshasa, bachangwa en quarantaine ou pas. Quels sont les avantages ou les désavantages? Allô. Oh, ça c'est l'appel de notre ami Alex depuis l'Autriche. Allô. Oh, malheureusement, cher Alex, quel dommage qu'on peut pas vous avoir. Allô. Allô. Allô, bonsoir Marius. Alex, bonsoir, ça va? Ouais, bonsoir, bonsoir aussi à tout le monde au Basio Kabiso. Ouais, moi ça va. Bonne nuit, ça bien. Bon. Ouais, non, là, bien, personnellement, là, bien. Bon, nazo souffrir quand des mokilipé, nazo souffrir parce que nazo faire partir dans mokili, tu vois, c'est tout à fait normal. Donc, voilà ce que moi je voulais dire, Marius. Omoni, non, on est réaliste, tu vois, parce que moi je viens pas ici pour n'a koumi sabato, n'a ni pour n'a ça la succès, et encore moins que l'ouga boulot ou bien poste et tout comme ça, tu vois. Moi je viens pour dire la vérité. Ouya pour n'a l'ouga boulot, succès. Non, mais tout le monde, non, n'a été, mais tout le monde a depuis ma rambo à Kombe Banda, bate belé, n'engue, bazo ba loupemba, bamsou bazo ba poste, donc voilà, et ça c'est la réalité des choses. Ok. Donc moi, je suis réaliste, ok. Oui. Encore une fois, nous parlons de la RDC du Congo. Alors, moi, je vois mal que Batou Oyo Baza incapable et Arolongo là-bas, poubelle. Batou Baza incapable et Arosil Sasso de Mouto, Bango Moro Bavandi, Bainissie, Balancé, tout et tout. Baza incapable et Agnosso. Je ne vois vraiment mal que Batou incapable et Wana Barozala capable et combattre virus Oyo et tout monde tout chaos. Vous voyez même les grands de ce monde, Bazo Bundanana. Vous voyez? Donc, pour parler car au moins ben on aura ba chiffre binomo bo cité quand des gens viennent dire que ba 1,8 million ba tiango po na crise ya coronavirus mais ça c'est vraiment se moquer des congolais d'en habiter c'est pire qu'une moquerie yo lobi marambo 6 millions ya fait alternance mais au bosani mozolé a vie titi au bosani enterrement ya papa wemba na ya ba artiste misusu. Parce que quand vous dites que oh il n'aura pas comparaison, t'es Marius, moi j'aime les comparaisons parce que tosa biso tout va être humain. Alors si c'est comme ça, tosa va être humain, t'es ou bien tosa là si va degré va être humain, que va être humain supérieur, inférieur, na médiocre, na incapable. Parce que toi va tout se situer dans quelle catégorie parce que tosa biso tout va être humain, Marius. Président Autriche, toi États-Unis tango atambo, bon États-Unis c'est vraiment une exception. Mais je prends le président de l'Autriche, le pays où moi je vis. Oyo, place l'État Nabisso a mobilisé 38 milliards pour la crise. Bah, jusqu'aux 4 milliards, bah, tchèque, pour la recherche, pour soigner, pour les matériaux, pour les ramoutous. Mais 38 milliards, bah, tchèque, pour la crise. Avant de continuer, Ndeko Alex,
Je voulais finir mon réflexion. Je suis à point. Je suis contredire. Ne t'inquiète pas. Au moment la seconde place, où on a la Zobanga, là, il était sur rejoindre Ngaï. Que tu compares. Enfin, ils n'ont pas si peu de comparer, quoi. Parce que, bilan qu'on se le bat, il y a un monde de gouvernement, ils ont ça. Mais, et pas la bise au Siko. C'est le contraire qui se fait. Siko, n'est-ce pas qu'on compare. Enfin. Non, il faut te comparer parce qu'il faut te. D'abord, on compare que ce qui est comparable. Et on compare ce qui n'est pas la même chose, je veux dire. Hein? Parce que Netsingaï, vous comparez Nanangate, vous comparez Nanamutu. On comprend ouais. Donc, ouais. Quand on compare, ouais. On fait la comparaison, même dans le droit, on appelle ça le droit comparé. Bah, toi, ça, droit, bah, ebi. On fait des comparaisons pour comprendre. Parce que quand il y a un président autriche, il va mobiliser 38 milliards. Quand il se déplace, il y a un président RDC quand il se déplace. Il y a un budget. Et à mon avis, il ne faut pas nous amener dans une bulle. Oh non, on ne peut pas se comparer. Pourquoi on ne peut pas se comparer? Nous sommes tous des êtres humains. Notre pays, notre continent a plus de potentialités. Si on ne se compare pas, pourquoi? Parce que tout ça, c'est médiocre. Il y a un moment à chaque fois, un des collègues, ça y a un. Mais c'est la vérité. Parce que c'est ces gens-là, c'est des incompétents, des malhonnêtes et des mal intentionnés et des médiocres. Je m'excuse de le dire. Maus, il ne respecte aucune loi. Vous dites que Batia Kitia ça en quarantaine. C'est par rapport au texte, mais par rapport à la réalité sur le terrain. Bon, ça, là, on dénie. Bah, on va encercler Kinshasa, et puis bah, on va militaire, on va ça honnête, on va ça corruptible. Comment ils vont faire? Expliquez-nous un peu la démarche. C'est sur papier seulement qu'on va le faire? Donc, tout ça là bien. Tout ça là bien. C'est facile d'interdire un avion. Avion et AT. C'est facile, hein? C'est facile de dire. Ça c'est facile. Mais quand on dit maintenant, bon, apporter maintenant des choses concrètes, bino bo apporter, bo tia matériel na bino anje, bo tia ma yel anje et mon ana. Ça devient compliqué. Hein? C'est ça le problème. Donc ce que moi je veux dire, bah qu'on les bat désespérés. Au moins en Italie. Moi je vis en Autriche, c'est un pays voisin. Ndeko, moi quand je vais en Italie, c'est comme si tu étais en Afrique, hein? Afrique du Nord. Hein? Italie n'a pas été pourquoi quand on a l'Union européenne, hein? Tu vois, les Italiens sont presque comme les Congolais, ils ont une mentalité mafieux. Donc l'État n'a pas le rôle de mafia. Il y a un moment où l'État italien a lancé cri d'alerte, bah tu vois ça, bah sérieux, parce que bah ça a légitimité, tel rôle en Congo. Tout le monde sait que bah en Italie, bah sont des mafieux et tous ces grands là sont des mafieux. Et en Italie. Personne ne respecte les lois. Yango Moni et Soukeliba. Et c'est ce que les Congolais aussi vont vivre, malheureusement. Mais heureusement, c'est là où je vais chuter. L'Afrique, tout le monde sait que bah, la population moro jeune. Or, bah, Chine, bah, Europe, bah, la population moro vieille. D'où l'inquiétude de la gouvernement. Ils ont dégagé moroté. Tu me suis, Marius? Bien sûr. Parce que grippe Oyo, et Zoboma Mingi, bah, vieille personne, la bah, personne vulnérable. Or, en Afrique, la majorité de la population est jeune, malheureusement, bien nourrie, mais sur le plan génétique, ils sont forts. Alors, moi, personnellement, je crois que ça a un ravage, mais en fin de compte, quand les grands de ce monde vont trouver des solutions pour eux, et puis, ils vont la paix vers l'Afrique, ils vont aider les gens. Parce que ce n'est pas ces gens-là, incompétents, incapables, médiocres, on a la décision, on a bureau, on a une décision, caraboué, pour là. Ce n'est pas ça qui va aller être efficace sur le terrain. Soyons réalistes, s'il vous plaît. Quand les gens sont incapables d'enlever les poubelles, vous voyez, ils combattre le coronavirus à 1 800 000. Quand lui, il voyage, eux, quand ils voyagent avec leur jet privé, bah, conseiller, bah, ils dépensent combien? Marius, après, tu vas dire qu'on ne va pas comparer? Eux, ils sont plus riches que les dirigeants européens. Alors, pourquoi on ne va pas comparer? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi on ne va pas comparer? Voilà. Tous donc, tous à la peine. C'est pas toi et moi, c'est eux. Yo yebit. Merci Marius. Voilà, qui pique un peu, mais c'est la vérité, c'est pas ma faute. Il y a mon article à qui autant.
Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, vraiment. La ligne à votre. Merci, Marius. Merci beaucoup. Bon, merci, Ngapé. Bonne soirée. Merci. Alors, on va partir à Kinshasa. Allô? Allô? Oh, les appels du Congo, ça passe pas. C'est pas gentil, ça. Il nous reste encore quelques minutes. Oh, 2 minutes déjà. On va prendre le tout dernier appel de l'émission, alors, avant de nous dire au revoir. Et ça, ce sera la France. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Bon, sûrement, on a vu sur la télévision. Tozo appelle Oyo Yasuka. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez comment? Oui, je suis Simon, je vous appelle depuis Canada. Simon, c'est ça? Non, Justino, Justino. Justino, on vous écoute, cher Justino. Oui. Est-ce que je suis en direct? Vous êtes en direct. Là, il y a un petit retard avec votre récepteur. Vous êtes en direct et vous êtes le tout dernier intervenant. Ah, ok, merci. Et ça ligne à plaisir parce que ça fait vraiment un temps depuis que nous avons eu une en tout cas, merci. Merci, Justino. Vraiment. Au fait, c'est par rapport à la quarantaine, il y a la ville de Kinshasa. Mm-hmm. Ouais, justement. Donc, dans le fond, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour nous à Kinshasa en quarantaine, pour éviter batou bazobima et puis bamsous ba bakota, donc c'est une bonne chose, sauf que faut toujours en dans la base tous voir exemple comme ce qui s'est passé hier na Okatanga. Vous voyez quelque part ils ont la moins légèreté moroboué ou ils ont en rapport avec avec la réalité qu'on est en train de traverser. Il faut qu'on se le dise, Marius, sérieusement, coronavirus existe. Tout ça. Il y a encore des gens qui doutent. Moko, ouais, mais non, mais par rapport, entre guillemets, on peut le dire comme ça. Parce que ceux qui ont dit, exemple pragmatique, ce qui s'est passé à Okatanga, c'est déplorable. Vous voyez, avion Oyo, Eye, n'a pas tout plus. Au-delà des 50 personnes, va détecter 2 personnes Oyo, va infectées. Mais. Après qu'on libéré Batouana, Nessima Babandi qu'on poursuivre, comment en fait, je dirais pas qu'on poursuivre. Gouverneur a décrété isolement pour 48 heures et qu'on paie sa résultat nini concrètement. Quelque part, sauf aux abats réalistes, pour réaliser qu'il réellement, on dirait moins ignorant ses alliés, même et pas y a autorité. Président de la République a sa l'adresse. Dans les fonds, bien que c'était un peu en retard par rapport à la réalité. Mais moi, je me souviens, avant cela, déjà, la date, il y a 8 mars, où il y a les premiers suspects à côté de la maladie. Wana. Déjà, dans le moment où on pouvait disponibiliser les moyens de manière à ce que les mesures sont déjà posées. Mais ben négligence c'est Zalaki. Donc quelque part il y a certains des gens au baso ignorés que réalité wana et Zalaki t'es. Vous comprenez un peu parce que la nature doit aussi nous enseigner. Tant où tosali comparaison il y a Ebola na Covid 19. Qu'est-ce qui s'est dit? Force il y a propagation il y a Ebola et ça faible qu'il y a Covid 19. Par contre, na puissance, na force, y a Roboma, Ebola, y a Makasi. Or, parlant déjà de la propagation, et quand hier, au Kangama, par rapport à la comparaison, là, il faut qu'on se le dise, au lieu de sa comparaison. Mais surtout, tout à la réalité, comment ça se passe, Bamboka, où y a une grande puissance, mesure au Baozoa. Et puis, quand ça s'explique, comment maladie, y a s'est propagée. Est-ce que, pourquoi pas misopé, tout s'adapter déjà, tout soumapé, tant que moussou moukonzi amboka, pour que comment t'es à niveau autokomi lelo,
que tokomi okolisa nyonso na mutu ya mokonzi ya mboka tokomi mona lokola ba mesure oyazwi eza ko s'adapter te na Kinshasa. Non, or c'est simple, soki quarantaine ndenge nazonga na débat, soki quarantaine ndenge ezomi ki Kinshasa ezala en quarantaine, moi j'appuie cela, mais à condition que ba mesure eza ba mesure préventive, non que tokomi na ba mesure curative, mais ba mesure préventive ezala vraiment sévère déjà na Kinshasa. Quand on a dit qu'il y a un avant bima, il faut azala contrôler. Moto pe linga kota, il faut azala contrôler. Moi, j'estime que force et propagation na Kinshasa et azala complètement affaibli. Merci beaucoup, Justino, pour le point de vue. Merci beaucoup de conclure aussi l'émission. J'espère que Bazo Kabiso. Ah ben oui, c'est voilà, ça. J'espère. C'est ça. Merci. C'est ça. Voilà. Bonne soirée. Merci à Canada. Toi, Marius. Bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Ok. Bien, mesdames et messieurs, c'est avec cet appel de notre ami Justino que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce temps avec nous. Si c'est pour la première fois que vous suiviez cette émission, sachez que nous sommes en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis. Demain, c'est fort probable qu'on ne sera pas en direct. Mais tout dépend de l'actualité du jour. On pourra revenir aussi demain. Alors la meilleure façon pour vous de savoir qu'on est en direct, c'est de simplement vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Mohunga TV. Abonnez-vous parce que quand vous vous abonnez, si nous sommes en direct, quel que soit le jour ou l'heure, vous recevrez une notification qui vous dira que nous sommes en direct. Et comme ça, vous ne pourriez pas manquer notre émission ou vous ne pourriez manquer aucune de nos émissions. Je vous dis un grand merci au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent chaque jour et me permettent d'être chez vous. En leur nom, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et en mon nom propre, bien sûr. Je m'appelle Marius Mohunga. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.